Reborn. Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Yans Reborn. Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un témoignage puissant. Savez-vous, mes frères et sœurs, qu'il existe la danse des sorciers? Regardez là-bas. Regardez là-bas. Ah! Savez-vous également que ces gens-là, ils aiment bien chanter et ne chantent pas à n'importe quelle occasion? La plupart du temps, ils se mettent à chanter et à célébrer les exploits. Et si vous voulez savoir, leurs exploits, c'est la destruction. Détruire le monde les rend heureux. Et surtout, quand ils voient un chrétien tomber, c'est-à-dire qu'un chrétien qui prie beaucoup, quand ils voient cette personne-là tomber, eux, dans le monde des sorciers, ils dansent et ils chantent. Regardez. Regardez là-bas, regardez très bien. Ils ont le malheur de danser, le malheur de chanter. Mais le plus grave qui fait même qu'on fait cette vidéo, c'est que ils transportent les chansons du monde des sorciers pour les amener dans notre monde. Et un ex-sataniste a décidé de nous révéler tout ça pour que nous fassions vraiment beaucoup attention aux chansons qu'on écoute. Il va même chanter un peu l'une de ces chansons-là. Et nous allons écouter. Peut-être que vous connaissez la chanson, mais faites attention. Aujourd'hui, dans ce monde, il y a la danse des sorciers. Par exemple, la danse où on glisse pour aller en arrière comme Michael Jackson. Il y a une personne qui nous a révélé que dans le monde des ténèbres là-bas, ou même en enfer, le diable, les démons qui sont là-bas, eux, quand ils sont contents, ils dansent sur la tête des âmes qui sont en enfer. Et quand ils dansent sur la tête là, en général, ils dansent en glissant en arrière. On dit que c'est ça que certains artistes ici ont regardé et ils ont décidé d'imiter. Qu'ils ont créé cela nouvellement. Tout le monde a dit « Oh, c'est de l'espoir, c'est extraordinaire. » Et ça a dépassé tout le monde. Peut-être que vous-même, vous savez danser ça. Mais c'est une danse trop compliquée. Parfois, il y a certaines danses que vous voulez danser, vous risquez de vous fatiguer le bras ou bien la main parce que c'est une danse qui vient de notre monde, du monde des ténèbres. Nous, les vrais chrétiens, nous devons faire attention. Nous devons vraiment redoubler de prudence par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Des danses bizarres, regardez-vous même là-bas. Des chansons bizarres. Même, qu'est-ce qu'on nous dit de la parole de Dieu? On dit vous serez à la tête et non à la queue. Et nous devons tous être à la tête et non et jamais même à la queue. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va créer des chansons et créer des manières de danser afin que nous puissions danser pour combattre la parole de Dieu. Tu vas dire comment? Dis à ton frère qu'à côté, mais comment c'est possible? Dis à ton frère qu'à côté, mais comment c'est possible? Je vais t'expliquer. Quand tu vas à l'église, tu pries, tu dis Seigneur, bénis-moi, bénis mes entreprises, permets qu'ils soient toujours à la tête. Mais quand tu viens à la maison, tu danses sur la chanson d'une personne. Et cette chanson-là parle de à la queue le leu. Allez, tout le monde à la queue le leu, s'il vous plaît. Et tout le monde se met à la, comme ça, se met en rang. Et il faut voir les couples danser pour aller derrière. Les gens dansent pour aller derrière. Là, le diable a été d'utiliser les musiciens pour combattre la parole de Dieu, pour vous amener même à vous combattre vous-même aussi, parce que c'est même ça. Et cette personne va nous maintenant nous expliquer comment ça s'est passé dans le monde des sorciers, quand les chrétiens tombaient, comment ces gens-là se réjouissaient. Vraiment, mes frères et sœurs, faites tout sauf rétrograder, sinon ça va donner la force au diable de vous atteindre. Redoublez de force, levez-vous dans la prière. Priez 3 fois par jour. Priez plusieurs fois, sans cesse, que Dieu vous aide, que Dieu nous aide. Nous allons déjà commencer maintenant. Fermez donc les yeux pour Dieu entendre, pour que Dieu nous donne la force de vaincre tout ce que le diable fera contre nous, tous ces pièges qu'il placera devant nous. Que Dieu nous aide aujourd'hui. Disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ,
Que ta lumière et ta gloire descendent sur nous, pour nous débarrasser de tout ce qui ne te glorifie pas. Que ta main puissante soit toujours sur nous, pour nous garder, nous protéger. Et fais de nous l'homme selon ton cœur. Fais de nous le peuple selon ton cœur. S'il te plaît, Seigneur, nous n'est pas fait, pardonne-nous. Toutes nos offenses, toutes nos iniquités, pardonne-nous nos péchés. Tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas glorifié, nous savons que tu es un Dieu saint. S'il te plaît, pardonne-nous et sanctifie-nous. Permets-nous d'être saints. Permets-nous d'être purs. Que ta purité descende sur nous aujourd'hui. Reste en nous aujourd'hui. Délivre-nous. Et accompagne-nous tous les jours de notre vie. Tout droit vers ta gloire, vers la lumière. Nous avons besoin de la lumière, Seigneur. De ta lumière. Que ta parole descende dans notre cœur. Pour transformer notre cœur maintenant. Au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu combats pour nous de loin comme de près. Que ta grâce descende sur nos enfants. Protège nos enfants qui vont à l'école. Contre toutes les maladies, même des virus que le diable a tenté de balancer dans ce monde pour tuer les gens. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de faire échouer tous les plans dans sa plénitude, tous les plans de nos ennemis, que cela échoue au nom de Jésus. Bénis nos affaires, bénis notre famille, bénis tes enfants. Maintenant viens, ouvre-nous l'intelligence, ouvre-nous l'esprit, afin que nous puissions comprendre ce témoignage puissant, donne ton esprit de discernement, afin que nous puissions repérer toutes les chansons qui viennent du monde des ténèbres. Amen. Mes frères et sœurs, la mesure profane, c'est vraiment une chose que nous devons tous éviter. Parce que la plupart du temps, le diable utilise les superstars de la musique profane pour pouvoir combattre Jésus-Christ. Parfois, il parle du mal de Jésus-Christ. Il dit des mauvaises choses sur lui. Il y a un homme même qui chantait que Jésus-Christ était un barbu, un vilain barbu. Il dit qu'ils l'ont crucifié. Et qui mérite tout ce qui lui est arrivé. Et quand il chante, il a des adeptes, il a des gens qui le suivent. Et toutes ces personnes-là, automatiquement, deviennent des ennemis de Jésus-Christ. Parce que dès que vous aimez cet star, vous aimez le diable en même temps et vous êtes ennemi de Jésus. Voici comment les gens deviennent ennemis de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons écouter ce texte sataniste pour qu'il nous explique comment les gens dansaient dans leur monde et pourquoi. Il va même dire plus de choses que ça. Nous devons l'écouter. C'est parti. Quand ils attrapent quelqu'un qui priait, il y a un chant qu'ils sont en train de chanter. Je veux même chanter cela. Il y a des gens qui chantent cela sans connaître le sens de la chanson. Et le nom là, c'est le nom de... Il est mwimbo ni ashetani mwanamuke. Et cette chanson là, c'est une chanson de... La femme Satan. Satan... De la femme Satan, voilà. En français, il y a ma tata ilangi. Je parle, je pense que tu m'as dit que tu m'as dit. Amen. Amen. Mais il est moins bon, 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 il est... Cette chanson commençait dans le monde de la sorcellerie. Je ne sais pas qui avait amené cette chanson ici. Vous savez qui sont les personnes qui ont apporté les premiers cette chanson sur la terre? C'est l'église Chebe Chani qui a amené cela les premiers. Wow. N'entre pas dans certaines églises parce que ce sont des églises des sorciers. Parce que dans la ville de Lubumbashi, c'est moi qui enseignais aux sorciers de chanter parce que je sortais même certaines chansons. Et même dans des grandes rencontres, même à Pointe-Noire, on m'appelait pour aller animer ces rencontres-là. Et cette chanson-là, on la chante quand on attrape un chrétien qui priait, qui est tombé. Et c'est la chanson qu'il chante. Wow. Si tu t'engages dans les choses de Dieu, arrive jusqu'au bout. Si tu arrives au bout,
Et même les enfants que tu as engendrés, batafuata paka matrasi yako. Ils suivront également tes traces. Bona sifiwe. Que Dieu soit glorifié. Mon frère et soeur, vous avez entendu ça? C'est simple et facile à comprendre. Quand les sorciers attrapent les chrétiens, ils sont tellement contents qu'ils dansent et ils chantent. Et les chansons et les danses sont transportées dans notre monde. Et les gens chantent ça, les gens dansent ça, les gens font tout ce qu'ils ont voulu faire avec. Ah, c'est la raison même pour laquelle on nous dit de ne pas écouter n'importe quelle musique, de ne pas écouter n'importe quelle chanson. Et ça, ce n'est que le début du commencement sur ce point. Si vous n'êtes pas bon à vous maintenant, et partagez cette vidéo et soyez prêts pour la prochaine vidéo. Waouh, nous allons apprendre de vrais trucs. C'est parti. Partagez cette vidéo aussi à quelqu'un pour lui permettre de découvrir des vraies choses. Surtout, relevez-vous de la prière ces temps-ci. Il y a tout de vilains choses qui se passent ces temps-ci. La mort passée, la mort par là. Réveillez-vous maintenant.